Les gestes barrières continueront alors d'être appliqués. À compter donc du 1er octobre, les règles de droit commun s'appliquent à nouveau. Je rappelle que les débats sont également accessibles en direct sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. En introduction, je voudrais accueillir M. Daniel B., conseiller municipal, qui vient remplacer dans l'ordre du tableau Mme Carmen Ribeiro, qui a démissionné le 22 septembre de son poste de conseillère municipale par le groupe Pont-de-Clé Reprenons la parole, suivi des démissions successives de M. Aziz Chemingui et de Mme Yasmina Haddad, également le 22 septembre. M. Daniel B. sera donc installé, tout simplement, lorsque nous entamerons l'ordre du jour, puisqu'il s'agit de la délibération numéro 1, et c'est à ce moment-là que M. Daniel B. sera régulièrement installé, mais je le précise en introduction. Madame Carmen Ribeiro sera également remplacée de son poste d'administratrice, au sein du conseil d'administration du CCAS. Il s'agit de l'objet de la délibération numéro 2. Et je laisse la parole à la questure, à Maria Planquois, pour tout simplement l'appel des présents. Monsieur Ferrari. Présent. Monsieur Toscano. Présent. Madame Emery-Véhoff. Monsieur Nymphosi, Madame Grand, Monsieur Boukersi, Madame Rodriguez, Monsieur Langlais, Madame Laïb donne pouvoir à Monsieur Boukersi, Monsieur Bomila, Madame Chemri, Monsieur Alphonse, Monsieur Bonnet, Madame Costari-Rivals, Monsieur Solaire donne pouvoir à Monsieur Rotolo, Monsieur Vital, Monsieur Rotolo, Madame Panagopoulos, Madame Bonnet, Madame Gomez-Viegas donne pouvoir à Monsieur Nymphosi, Madame Benyeloul, Madame Bousboa, Madame Martin Arrête, Madame Tardivet, Monsieur Sétine, pardon, donne pouvoir à Monsieur Toscano. Madame Yacou donne pouvoir à Madame Rodriguez. Monsieur Besançon donne pouvoir à Monsieur Dridi. Monsieur Dridi. Madame Torres donne pouvoir à Monsieur Giono. Monsieur Giono. Présent. Madame Cervantes. Monsieur Dussard. Présent. Monsieur B. Le quorum est atteint. Merci beaucoup. Puisque le quorum est atteint, nous pouvons donc valablement délibérer selon l'ordre du jour qui vous a été transmis. Il est proposé comme secrétaire de séance M. Maurice Alphonse. Est-ce qu'il y a des candidatures autres ? Je souhaiterais que peut-être les personnes dans le public s'assoient dans le public, s'il vous plaît. Mieux. Quelques précisions depuis la réunion des présidents de groupe. Un projet de vœux est rajouté à l'ordre du jour sur la proposition du groupe Pont-de-Clé Reprenons la parole. Une question orale a été également déposée par le groupe Pont-de-Clé Reprenons la parole qui sera examinée en fin de séance avant de passer à l'examen de l'ordre du jour. Je vous propose, mes chers collègues, mesdames, messieurs, d'observer une minute de silence afin de rendre hommage au caporal-chef Maxime Blasco, soldat français de 34 ans, tué lors d'une opération militaire au Mali le vendredi 24 septembre dernier. Maxime Blasco était pontois. Il faisait partie du 7e bataillon des chasseurs alpins basé à Vars. À ce titre, l'inscription de son nom sur le monument aux morts de la commune sera demandée. Un hommage national a été rendu hier aux Invalides. Ce soldat au parcours exceptionnel,
pour sa bravoure, son humilité, avait déjà été plusieurs fois décoré. En juin, il avait notamment reçu la médaille militaire pour la valeur exceptionnelle de ses services. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, je vous demande de vous lever et d'observer la minute de silence. Je vous remercie. Il est passé sergent. Là ? Cet après-midi, à Vars, Maxime Blasco a été nommé sergent par ses frères d'armes. Je vous propose d'approuver le compte-rendu du dernier procès-verbal du 10 juin 2021. Y a-t-il des observations ? Il n'y en a pas. Je le mets aux voix. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous propose donc de passer... À l'ordre du jour, il s'agit d'installer donc un conseil municipal suite à la démission de Madame Ribeiro, l'actualisation du tableau du conseil municipal. Il est donc, je vous propose, d'installer Monsieur Daniel B. en qualité de conseiller municipal pour la liste Pont-de-Clé. Reprenons la parole et on lui souhaite un bon travail pour notre commune. Et évidemment, M. Daniel B. et son groupe nous préciseront dans quelle commission ce dernier siégera et nous ferons les modifications comme il se doit à cette occasion. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité. Bien sûr, la désignation d'un délégué du conseil municipal au conseil d'administration du CCS suite à la démission de Mme Ribeiro. Nous, je vous rappelle que nous avons, en date du 4 juin 2020, nous avons procédé à l'élection au scrutin de liste avec la représentation proportionnelle au plus fort reste. Considérant ainsi les résultats et suite à la démission de Mme Carmen Ribeiro, il est proposé, comme le prévoient les textes et le Code général des collectivités territoriales, que M. Jérémy Giono prenne rang à la suite de Mme Ribeiro. Nous désignons donc M. Giono en qualité de membre du conseil d'administration en remplacement de Mme Ribeiro, qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, merci. Je vous propose de désigner une petite excuse. Ce n'est pas le Code général des collectivités locales, mais le Code de l'action sociale et des familles qui précise ces sujets que j'ai évoqués juste avant. Désignation du représentant de la commune pour siéger au comité exécutif de la SIC. Chrysalide, je vous rappelle que nous sommes actionnaires de la SIC Chrysalide, qui tout simplement travaille sur notre commune, sur ce qu'on appelle le foncier Becker, pour travailler sur des méthodes de dépollution. Il est proposé donc, pour siéger, puisque nous sommes actionnaires de cette SIC, de tout simplement de désigner Sam Toscano au sein du comité exécutif de la SIC pour représenter la ville de Pont-de-Clé. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions. 2. Adopté. Je vais laisser la parole au titre des dossiers intercommunaux. Rapport d'activité de l'élu mandataire au sein de la Société publique locale d'aménagement, la SPLA Isère Aménagement.
pour l'exercice 2020 et il fera également la présentation du rapport de la SEM Territoire 38 pour l'exercice 2020 et ensuite nous les délibérerons à ce moment-là. La parole est au premier adjoint. Étant actionnaire de la SPL en Isère Aménagement, qui est notre aménageur sur la ZAC des Minotiers de Saint-Vintoise, et actionnaire aussi de la SAM Territoire 38, nous sommes dans l'obligation de vous présenter un rapport d'activité. C'est ce qui est fait chaque année au conseil municipal. Je vais vous épargner la lecture de ce rapport. Je veux simplement vous demander de prendre acte que les deux rapports ont été présentés au conseil municipal. Merci. Je mets aux voix la délibération numéro 4. C'est bien une adoption. Hein. C'est pas une prise d'acte, hein. C'est bien une adoption. Hein. Qui s'oppose pour la délibération numéro 4 ? Qui s'abstient ? Unanimité. Pour la 5, même vote ? Même vote. Ainsi, il en est décidé. Sam Toscano, l'avis de la commune sur le projet de modification du PLUI numéro 1. Oui. Délibération importante, puisque je voudrais rappeler le travail conséquent qui avait été mené par la métropole et puis dans chaque collectivité, les services urbanisme, pour arriver en un temps record à faire voter le 20 décembre 2019 un PLUI. Retour d'expérience depuis 2 ans, chacun dans ses communes. Sont revenus sur ce PLUI pour apporter un certain nombre de petites modifications, souvent très techniques. C'est le cas pour Pont-de-Claix. Donc cette délibération se décompose en deux parties. La première étant sur les modifications qui concernent la ville de Pont-de-Claix, et puis la deuxième étant de donner un avis sur le PLUI métropolitain. Donc pour Pont-de-Claix, il y a un certain nombre de petits changements, mais voilà, je ne vais pas tous vous les énumérer. Je vous ai dit que c'était assez technique. Il y en a un qui me semble important de citer. C'est celui qui concerne la zone, étendre la zone UD2, habitat individuel, sur les secteurs des rues de Paris et d'Alsace, classé aujourd'hui en habitat collectif, le tout pour préserver le tissu pavillonnaire à l'arrière du cours Saint-André. Voilà, c'est une importance, cette modification, puisque un certain nombre de promoteurs vont faire du porte-à-porte pour essayer d'acheter des maisons dans ce secteur. Donc nous voudrions préserver le tissu pavillonnaire. Pour le reste, je vous demande d'approuver la modification numéro 1 du PLUI de Grenoble-Alpes-Métropole. L'avis favorable de la commune, donc. Y a-t-il des questions ? Oui, Jérémy Giono. Oui, une question sur la question de la place du 8 mai 45, avec l'idée de concentrer les commerces sur la place dans une logique de dynamiser. La question, c'est quelles conséquences pour du coup les commerces en périphérie ? Autour, donc typiquement vers le Bayard ou sur la place Allende. Et est-ce qu'il y a également des choses de prévues côté place du marché, puisqu'on avait une petite zone commerciale où il y avait un coiffeur, un bistrot, tout ça. Est-ce que du coup c'est toujours possible de requalifier là-bas ? Il y a des projets ou pas ? On rapatrie sur le 8 mai 45. Voilà. En fait, il n'y a rien ne change sur les rues que vous avez indiquées. C'est surtout la rue de Stalingrad, puisque un certain nombre de commerces qui étaient dans cette rue, les propriétaires ont demandé de les transformer en habitation. C'était plutôt pour pouvoir accéder à leur demande que cette modification a été prévue. Pour le reste, il n'y a pas de changement sur les commerces que vous avez cités. Y a-t-il d'autres questions ? Non, nous mettons en œuvre une de nos propositions dans le cadre du programme municipal, c'est-à-dire de protéger les zones pavillonnaires, tout simplement. Je voudrais le rappeler ici. Je mets aux voix. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Abstention. Merci. Adopté. Autorisation donnée
à M. le maire de modifier la vente des parcelles du Centre de sciences à la Métropole et Isère Aménagement, Saint-Toscano. Oui, je rappelle qu'en préfiguration de la construction du Centre des sciences, une délibération avait été prise le 17 décembre 2020 qui autorisait M. le maire à vendre à l'euro symbolique à la Métropole des parcelles de terrain. Il s'agit là, dans cette délibération, de faire une petite modification des surfaces, puisque il s'est avéré qu'il y avait quelques erreurs de surface dans la première délibération prise. Voilà, donc vous avez joint les surfaces avec leur numéro de cadastre. Je voudrais rappeler que les travaux du Centre des sciences avancent de façon conforme à ce qui était prévu au calendrier et que nous avions posé la première pierre le 28 mai dernier et que très prochainement, le nom sera dévoilé puisqu'il y a eu un vote et qu'on arrive au bout de ce vote. Merci. Et pour vous rappeler que le projet de centre de sciences, donc inauguration fin 2022, et qui est une des opérations labellisées Capitale verte que nous portons avec la ville de Grenoble et qui tout simplement met en avant notre territoire sur ses réalisations et notamment qui concernent les questions de climat, d'environnement. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Abstention. Merci. Il s'agit pour cette délibération numéro 8 d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la vente du lot numéro 7 du lotissement Pré-Verger. Oui, on arrive au bout puisque c'est la dernière parcelle qui restait à vendre. Et donc, voilà, c'est fait pour un montant de 93 000 euros. Je rappelle que nous avions voulu diversifier un petit peu l'offre et en créant des parcelles pour construire des maisons avec un architecte renommé et un prix défiant toute concurrence parce que c'est des maisons de qualité et l'atelier Groll est un architecte reconnu dans l'agglomération grenobloise. Donc tous les terrains ont trouvé preneur et ainsi que les maisons qui seront construites dessus. Merci. Opération qui arrive à terme. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. L'autorisation donnée au maire de signer la convention d'adhésion à la centrale d'achat de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, la commune de Pont-de-Claix était membre d'un groupement de commandes porté par le lycée Louise Michel. Ce fonctionnement prend fin. La commune fait donc le choix de devenir membre du groupement de commandes porté par la région. Plus de 400 communes y sont déjà adhérentes. Merci. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Toujours Saint-Toscano, il s'agit d'autoriser le maire à déposer un dossier de demande de subvention à la DRAC pour les projets d'éducation artistique et culturelle à dominante jeune, 0-25 ans. Oui, avec Maxime Linfosi, mon collègue en charge de l'éducation, nous avons mis une priorité sur ce mandat, c'est d'apporter la culture dans les écoles et cette délibération nous permet de demander une subvention à la région de 27 000 euros avec trois objectifs qui sont connus. Permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche et cohérente tout au long de leur parcours scolaire. Développer et renforcer leur pratique artistique et permettre la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation des lieux culturels. Au-delà de ça, c'est aussi éveiller leur curiosité, voilà, tout un tas de bénéfices pour les enfants. Je rappelle que les enfants de Pont-de-Claix, qui fréquentent les écoles de Pont-de-Claix, auront tout au long de leur parcours scolaire la chance de bénéficier de voir du théâtre, de la musique, de s'initier aux arts plastiques. Donc c'est un parcours riche et qui est reconnu par la DRAC, puisque le montant des actions s'élève à 27 000 euros, et que la subvention de la DRAC est égale à ce montant, donc nous allons recevoir 27 000 euros de la Direction des Affaires Culturelles. Merci. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Je laisse la parole à l'adjoint en charge des finances, de l'éducation et de la vie associative, Maxime Linfosi, pour la décision modificative numéro 1 du budget principal
Maxime Nafosi. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, décision modificative numéro 1, c'est l'acte 3 donc, de notre budget 2021, puisque, comme vous le savez, nous avions voté le budget primitif 2021 au mois de décembre dernier, et notamment au printemps, en avril, avons voté le budget supplémentaire 2021. Donc, cette décision modificative a pour principal objectif d'actualiser à la fois des montants de recettes prévisionnelles et d'actualiser notamment certaines dépenses. Également d'accompagner bien évidemment le projet et le programme de mandat. Je ne vais pas tout vous balayer, mais très rapidement m'arrêter sur quelques points saillants. En section de fonctionnement, donc on a une décision modificative à hauteur de 101 430 euros. Vous trouvez à l'intérieur de cette, sur les dépenses de fonctionnement, donc moins 12 315 euros qui sont liés à un ajustement des prévisions, notamment des vêtements liés au magasin, avec une baisse de consommation, donc notamment liée à l'impact du Covid. Des opérations d'urbanisme, notamment avec les frais d'agence pour la commercialisation d'une villa ou l'enlèvement d'encombrants sur la villa Blandin-Matignon. Vous avez également des dépenses de remboursement d'activités qui ont été annulées dans le cadre du Covid. Je pense notamment sur Flotibule à hauteur de 13 800 euros. 15 400 euros d'annulation de loyers, notamment liés à la crise sanitaire. C'est les loyers du CMEA qu'on avait déjà abordés au moment du vote du budget. Donc il y a cette annulation de loyer, mais en contrepartie, on avait pris une délibération à ce sujet. Il y a une formation, des crédits qui sont alloués à la formation notamment des agents qui travaillent notamment sur le secteur éducation jeunesse et les centres sociaux. Et on a une dépense importante qui est de 58 806,50 euros qui correspond donc à la subvention qu'on versera à l'EHPAD dans une prochaine délibération, notamment pour équilibrer la section d'hébergement. En fonctionnement, recettes de fonctionnement, nous avons plusieurs recettes qui sont dues notamment aux activités jeunes et culturelles, comme l'a dit Sam Toscano précédemment. Donc, conformément à nos engagements et à ce qu'on a exprimé notamment au moment du vote du budget, il y a cette volonté d'accroître notre recherche de financement et notamment nos recettes. C'est le cas sur cette section-là. Et je tiens en tout cas à saluer aussi le travail des agents municipaux qui nous permettent justement d'aller aussi rechercher ces financements et alléger notre budget. En recette de fonctionnement, on a également 65 000 euros, donc ça correspond au second versement de la convention FIPHP que nous avions voté en début d'année. Et c'est le deuxième acompte qu'on reçoit cette année. Donc c'est une convention qui a lieu sur trois ans, de 2021 à 2023. Et nous aurons notamment pour cela le solde l'an prochain ou en 2023. Sur la section d'investissement, on est à 172 000 euros donc de recettes qui sont liées notamment à la notification donc, du fonds du FCTVA. Et on retrouve en investissement quelques dépenses. 10 000 euros pour l'étude de marketing territorial. On avait déjà inscrit au BP 10 000 euros. Le jury a eu lieu cette semaine et donc on se lance pleinement dans cette démarche-là de valoriser notre territoire. 75 000 euros de dépenses liées au schéma directeur de l'immobilier. On a notamment sous la houlette de Michel Langlais un travail qui est fait pour mettre à jour nos données en termes de patrimoine bâti à l'échelle de la commune et nous permettre notamment de lancer des études pour accompagner la transition énergétique et écologique de nos bâtiments. La préemption du fonds de commerce arc-en-ciel, c'est le local pizza à hauteur de 30 000 euros. Moins 78 000 euros de dépenses qui sont liées notamment aux opportunités foncières. On avait pris, notamment au moment du vote du budget, mis un budget sur près de 280 000 euros pour les réserves foncières. On est quasiment à la fin de l'année, on n'a pas consommé ces crédits, donc on se permet d'équilibrer notamment notre DM par ce versement-là. 10 000 et 7 600 euros qui sont liés notamment au bâtiment et à tout le travail qui est fait sur la mise en œuvre du plan PPMS dans les écoles. On avait déjà inscrit 52 000 euros au budget 2021.
25 600 euros de dépenses supplémentaires qui sont liées à l'augmentation du prix des matières premières dans les travaux. Donc c'est un vrai sujet, et c'est notamment ces augmentations de dépenses qui sont liées à la rénovation du CCS qu'on a inauguré la semaine dernière. 50 000 euros liés à l'aménagement de l'accueil de jour, donc pour avoir un accueil à la fois plus accueillant, plus fonctionnel pour les familles et les personnes âgées. Il y aura une délibération en ce sens tout à l'heure. 36 000 euros qui sont liés à un projet d'œuvre d'art dans la ville, notamment sur la ZAC des papeteries. 15 000 euros qui sont liés notamment à des postes de dépenses informatiques et multifonctions pour accompagner à la fois le renouvellement des ordinateurs et accompagner le télétravail. Et enfin, 7 000 euros de dépenses supplémentaires qui sont liées au remplacement notamment des photocopieurs dans les écoles. C'est un sujet qui revient régulièrement dans les conseils d'école. Et on devait en remplacer 10, et finalement on en fait 10 de plus pour que toutes les écoles puissent être équipées de matériel plus efficace. Et au travers de cela, notamment, il y aura des gains financiers à aller chercher, notamment en termes de coûts de copie. Donc voilà pour cette décision modificative numéro 1 du budget principal 2021. Merci infiniment. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas, alors je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? 2. Adopté, merci. Maxime Linfosi pour la DM concernant la régie de transport. Oui. Petite décision modificative qui nous permet de transférer des crédits, 3 000 euros, donc du chapitre 011 au chapitre 012. Pour prendre en compte notamment les protocoles de travail qui ont été imposés pendant la crise sanitaire et qui ont généré des heures supplémentaires pour les agents de la régie de transport, que je tiens aussi à remercier au nom de la majorité, puisqu'ils nous permettent chaque jour de faire en sorte que les enfants puissent bénéficier de sorties culturelles, sportives sur Pont-de-Clé, mais plus largement sur le territoire métropolitain. Merci. Est-ce que c'est le même vote? Qui s'oppose? Qui s'abstient? 2. Adopté, merci. La subvention exceptionnelle au budget annexe du CCAS, l'EHPAD Maxime Linfosi. Oui. Hop, je retrouve mes papiers. Je l'ai rapidement évoqué au moment de la décision modificative. Le conseil d'administration donc, du CCAS a établi un budget prévisionnel pour l'EHPAD en 2021, avec notamment un prix de journée en évolution de 0,66%. Malgré donc, tous les efforts qui sont liés à la gestion de la structure, il y a un équilibre à trouver, notamment en termes par rapport au déficit prévisionnel qui est de 58 806,50 €. Le département a proposé qui refuse tout déficit, a proposé de réduire ce déficit en augmentant le prix de journée à 1,39 €. Cette hausse n'est pas convenable pour nos résidents, et donc nous proposons, nous, d'intervenir et d'équilibrer ce déficit de la section d'hébergement en maintenant un prix de journée tel que l'a proposé le CA du CCAS. Et donc de verser exceptionnellement une subvention de 58 806,50 €. Merci, Jérémy Gionneau. Sur la question de l'EHPAD, évidemment, on votera la délib hein, en termes de soutien. Alors après, on constate quand même qu'on est toujours confronté au même problème. Alors on n'a pas épluché les chiffres de cette année, mais la question de la dette du département et la question de la dette de l'ARS. Et donc, en fait, à chaque fois, on amplifie ce problème-là avec ces acteurs-là qui, vraisemblablement, sauf information contraire, n'entendent pas, en tout cas, modifier leur politique en la matière. Et donc, je soumets une idée en lien avec cette délib, mais pas forcément pour qu'on l'engage maintenant, parce que ce n'est pas le sujet, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les collectivités trouvent un moyen de se regrouper pour engager, pourquoi pas, une action en justice collective,
pour réclamer de fait symboliquement ces sommes finalement à l'ARS, au département, parce qu'évidemment, les débats sont beaucoup revenus sur ces sujets-là sur les années précédentes, mais la commune de Pont-de-Clé ne fait pas exception en la matière. Pardon, excusez-moi. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu à creuser cette piste pour faire valoir nos droits pour nos résidents et pour nos administrés. Merci. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Isabelle Emery-Véhoff. Cette délibération me permet, au nom de la majorité, de réaffirmer notre attachement particulier à l'EHPAD Irène Joliot-Curie, de faire un point sur la situation et de revenir plus largement sur son développement. Nous sommes au cœur de la proposition 54 de la stratégie de mandat, proposition qui pointe notre volonté de conserver l'EHPAD municipal, d'organiser son développement autour de l'accueil de jour et d'engager un travail autour d'une mutualisation au travers de la gestion avec les communes limitrophes du secteur. Cette délibération fait suite à un débat contradictoire qui s'est tenu au cours de cet été avec le département. Le département est le financeur de la dépendance, mais a autorité à fixer le tarif hébergement et dépendance. Le département n'a pas seulement le pouvoir de subventionner l'établissement, il porte également une appréciation sur la constitution même du budget et peut la retraiter en recettes comme en dépenses. Nous avons proposé une hausse limitée à 0,66% du prix de journée, soit 41 centimes par jour, hausse indexée sur les charges imputant à l'hébergement. Cette proposition générait un déficit de 58 806,50 €, comme vous l'a dit M. Nafosi, sur la section hébergement. Le département n'a pas suivi cette proposition et a considéré qu'il s'agissait de retraiter notre plan de dépenses en augmentant le prix de journée à 1,39 € par jour. Cette hausse suggérée venait heurter notre volonté à garantir un accès égalitaire aux personnes âgées dépendantes. Afin de débloquer cette situation, la commune a pris ses responsabilités et a proposé la mise à l'étude de la subvention qu'il vous est proposé de voter ce jour. Cela permet de garantir une hausse raisonnée du prix de journée et de maintenir le niveau de service actuel. Avec la volonté de continuer à garantir le remplacement des agents un pour un, de continuer à proposer des temps d'animation quotidiens avec un poste d'animatrice, mais aussi des intervenants extérieurs spécialisés et régulièrement, de continuer à servir des repas maison de qualité avec des produits de proximité, pardon, afin de garantir une qualité de vie meilleure et la plus bienveillante possible. Cette délibération est également une forme de main tendue au département, auquel nous demandons une implication forte dans la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le CEPOM, qui remplacera la convention tripartite dans les années à venir. Il doit prendre en compte la spécificité de notre établissement et particulièrement la hausse du niveau de dépendance des personnes accueillies, afin d'obtenir des subventions qui correspondent à la réalité du coût d'un EHPAD. Notre engagement ne se limite pas à cette délibération. Vous le verrez aussi dans les autorisations de travaux que portera M. Boukersi, adjoint en charge aux travaux. Nous sommes mobilisés sur deux sujets complémentaires. L'ouverture d'un accueil de jour permettant l'accueil ponctuel sur la journée ou demi-journée de personnes atteintes de troubles cognitifs. Il y aura deux places ouvertes à l'horizon 2022. Cet engagement permet de participer à l'accompagnement des aidants familiaux qui pourront bénéficier de répit en confiant leurs proches à l'établissement et de proposer aux personnes atteintes de troubles cognitifs des ateliers de socialisation spécifiques avec des agents formés spécialement à ces pathologies. Nous continuons en parallèle de travailler sur la mutualisation de la gestion de l'établissement. Nous avons rencontré des communes voisines qui souhaitent nous accompagner dans la défense de l'EHPAD. Et nous examinons les éléments de gestion, de mutualisation, de dépenses et d'association à la gouvernance que nous pouvons mettre en œuvre pour un portage commun de l'établissement. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet ? Non.
Moi, j'ai juste un petit clin d'œil. C'est toujours intéressant d'observer le rapport de force postérieur aux élections. Mais je pense que l'intelligence aurait été de créer le rapport de force à l'intérieur de l'Assemblée départementale. Et là, M. Giono, vous aviez une petite responsabilité sur ce canton en particulier. Et c'est ainsi, la vie a fait que les choix ont été plutôt guidés par une obstination de vengeance que réellement le souci des habitants et notamment de la politique personnes âgées dans nos EHPAD. Oui, je vous en prie. Sujet, mais je partage le constat qu'on se porterait tous bien mieux si le département avait changé de couleur politique dans le sens qu'on porte. Et je pense qu'on a par contre une divergence de diagnostic, puisque ni moi ni personne de notre formation politique n'était candidat sur ce canton, par ailleurs. Justement. Donc, mais je pense que c'est pas forcément dans cette assemblée qu'on en discutera, mais on aura l'occasion d'en discuter. Le conseil municipal est tout à fait libre, et le maire également, et je vous le rappelle, juste à vos responsabilités aussi. À un moment donné, il y a des choix et il faut savoir les prendre. Je mets aux voix. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. La limitation à 40% du taux d'exonération de la TFPB, la taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue par le Code général des impôts pour les logements neufs. La parole est à Maxime Nafosi. Oui, monsieur le maire, vous avez déjà énoncé pas mal d'éléments. Effectivement, cette délibération donc, stipule que les logements neufs sont exonérés donc, durant 2 ans de la taxe foncière sur le patrimoine bâti, sur les propriétés bâties, pardon, mais que les communes donc, peuvent tout de même réduire cette exonération sous différents pourcentages, 40, 50, 60, 70, 80, voire 90%. Nous avons fait le choix d'acter un taux d'exonération à 40% des bases imposables afin de minorer l'impact des produits fiscaux à percevoir par la ville sur les logements neufs à venir. C'est pour information, sur 100 logements livrés, c'est à peu près 1 000 euros de taxes par logement, ce qui équivaut donc à 100 000 euros de recettes. Et si on met un taux d'exonération à 40%, c'est 40 000 euros de recettes en moins pour la ville, à titre d'exemple. Merci. C'est un sujet qui va peut-être bouger, on verra, avec les annonces gouvernementales récentes. Je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables, Maxime Nafosi. Oui, c'est une délibération qu'on prend au moins une fois par an et afin d'acter donc le non-recouvrement des créances pour la ville pour un montant donc de 3 322,15 € et dedans vous avez notamment des créances liées à la crèche, aux cantines, périscolaires, l'eau, quelques loyers et donc la trésorier est remontée notamment de 2012 à 2016. Donc c'est 87 titres proposés en non-valeur ce soir. Merci. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. La modification de la durée d'amortissement des photocopieurs à compter du 1er janvier 2022. Oui, on avait jusqu'à présent une durée d'amortissement pour les photocopieurs qui était de 8 ans et avec à la fois le progrès technique qui rend obsolète plus rapidement ces machines et le renouvellement plus fréquent, nous avons souhaité et proposé de ramener cette durée d'amortissement à 5 ans. Donc ça nous permettra de changer plus facilement nos photocopieurs, d'en avoir des plus performants, de réduire certainement le coût d'exploitation. Il y a un marché avec des prix favorables, notamment avec l'UGAP qui est en train d'être signé, de manière à ce qu'on puisse notamment à la fois auprès de nos agents, mais aussi auprès notamment des écoles, avoir des photocopieurs de qualité pour le travail de chacun. Merci. Je mets aux voix. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Unanimité.
l'autorisation donnée au maire pour effectuer une demande d'inscription d'une mission de programme au programme partenarial d'activité de l'agence d'urbanisme et de signer l'avenant numéro 2 à la convention cadre afférent. Maxime Nafosi. Oui, c'est un travail avec l'agence d'urbanisme qu'on connaît bien ici pour qu'ils puissent nous accompagner sur différents sujets. On avait déjà abordé ce thème à la fois en commission éducation, mais aussi au sein du conseil municipal, avec notamment une délibération qui était intervenue sur le rattachement d'un bâtiment de la SDH auprès de l'école Jean Moulin. Mais pour accompagner justement à la fois le projet urbain, on a besoin d'avoir des éléments en termes de projection des effectifs scolaires sur Pont-de-Clé. Et donc on commande une étude d'assistance pour 16 jours et à hauteur d'une subvention de 12 160 euros, donc auprès de l'agence d'urbanisme. Et cela nous permettra notamment de travailler à la fois sur notre plan pluriannuel d'investissement, mais plus largement d'offrir les meilleures conditions de travail à nos enfants, à nos agents et à nos enseignants qui interviennent sur notre territoire. Merci. Y a-t-il des observations ? Non. Donc il est de notre responsabilité de travailler ces éventuelles hausses suite aux constructions et ainsi d'avoir des effectifs réduits dans nos classes à Pont-de-Clé, et c'est notre enjeu. Je rappelle également à cette occasion l'ouverture supplémentaire d'une classe, notamment permettant le dédoublement à Jean Moulin, sur lequel nous nous sommes mobilisés, ce qui est une bonne chose. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Adopter la signature d'une convention tripartite entre la ville, le collège Nelson Mandela et l'APAZ pour la mise en place de mesures de responsabilisation. La parole est à Maxime Nafosi. Oui, je suis très heureux au nom de la majorité municipale de pouvoir présenter cette délibération parce qu'elle vient valider le travail qui est déjà entrepris maintenant depuis plusieurs années entre à la fois le collège Nelson Mandela, la Paz et la ville sur les mesures et l'accompagnement éducatif qu'on peut faire aux collégiens de notre territoire. Ça a été dit par Sam Toscano sur la politique culturelle. Il y a un travail qui est fait également en matière de politique sportive, en matière de projets citoyens. Mais il y avait un travail qui était mené maintenant depuis quelques années pour permettre à des enfants et à des jeunes plutôt qui étaient temporairement exclus du collège de pouvoir avoir un accompagnement partenarial avec la PAS et ou la ville, notamment pour permettre que ces jeunes ne puissent pas, lors des exclusions temporaires, être à la fois sur l'espace public ou ne pas savoir quoi faire. Donc on matérialise cette convention qui nous permettra d'accompagner notamment ces publics-là, de leur donner des missions. Voilà, à savoir que sur l'année, le premier semestre 2021, c'était 4 personnes qui étaient concernées par ces mesures de responsabilisation. Merci. Je mets aux voix cette délibération importante. Qui s'oppose, qui s'abstient ? Adopté, merci. L'attribution d'une subvention directe à l'association Sandugunga pour l'événement Batizado 2021. Oui, merci. En 2020, l'association Sandugunga devait célébrer ses 10 ans. C'est une association qui est importante sur la commune, qui fait un gros travail à la fois en matière de développement des politiques sportives et culturelles, qui travaille notamment auprès à la fois des enfants mais des familles. Et cet événement avait été annulé donc en 2020 à la suite du Covid et a été repoussé cette année au mois de mai. Et l'association avait demandé une subvention directe de 5 000 euros à l'époque. Donc nous prenons acte de ce projet et décidons d'accompagner cet événement à hauteur de 5 000 euros. Merci. Qui s'oppose, qui s'abstient ? Unanimité, merci. Signature d'une convention d'objectifs et de financement avec la CAF dans le cadre de la réglementation prestations de services. C'était donc Christina Gomez-Viegas et en son absence, c'est Maxime Nafosi qui la présente. Oui, mais c'est une délibération qu'on prend
Tous les trois ans, donc là, pour qui nous engage pour l'année 2021 à 2024, donc dans le cadre de notre lieu d'accueil enfants-parents qui s'appelle la Capucine, qui est située à la Ronde des Couleurs, donc dans l'espace commerce arc-en-ciel. Et ce partenariat avec la CAF vient à la fois énumérer les différents objectifs qu'on se fixe, à savoir le lien à la parentalité, le travail de repérage et de sociabilisation avec les enfants, et de mise en réseau avec l'ensemble des partenaires qui travaillent sur ces questions de politique petite enfance. Donc on a, pour information, notamment les différentes recettes perçues au travers de cette prestation. Merci. Classique, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. La délibération suivante concerne là aussi notre établissement, nos établissements d'accueil de jeunes enfants. Maxime Nafosi. Oui, donc là, il s'agit de déposer donc un dossier de demande de subvention auprès du département pour qu'il puisse accompagner différents projets qu'on mène. Ça a été évoqué tout à l'heure sur le projet culturel, donc notamment avec différentes interventions pédagogiques qu'on fait pour les EHJE, donc les multi-accueils et la crèche, des séances d'analyse de la pratique qui permettent à nos agents notamment de se former, et l'achat de mobilier ou de matériel pédagogique. Donc on vient déposer une demande de subvention pour tous ces projets. Il y a un coût global donc de 12 500 euros. Et le département peut décider donc d'octroyer une participation à hauteur de 80% maximum de ses dépenses. Merci. Je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté. La délibération numéro 22... Et c'est Mébrock Boukersi, adjoint au maire, qui va la présenter. Il s'agit d'autoriser des travaux à l'EHPAD pour un accueil de jour destiné aux personnes âgées atteintes de troubles cognitifs et vivant à domicile. Oui, mes chers collègues, cette délibération fait écho au développement de Madame Isabelle Emery. Suite à la situation de l'EHPAD au moment des questions budgétaires. Donc, je vous propose cette délibération suite à la délibération numéro 13, qui a pour objet l'autorisation de travaux à l'EHPAD Irène Julot-Curie pour un accueil de jour destiné aux personnes âgées atteintes de troubles cognitifs et vivant à domicile. À ce titre, les travaux rentrent dans le cadre de l'article 123.1 du Code de la construction de l'habitat, qui stipule que les travaux qui conduisent à la création et à l'aménagement ou à la modification d'un établissement ERP recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par le décret du Conseil d'État, et notamment aux règles de lutte contre l'incendie et la panique dans les ERP, les travaux de modification des cloisonnements et de l'activité des locaux dont sont déclarables. Donc, je vais demander d'autoriser monsieur l'autorisation pour faire ces travaux. Merci beaucoup. C'est des travaux qui nous permettront de mettre en œuvre un projet ô combien important d'accueil de jour. Je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, merci. La parole est à Mébrock Boukersi pour une demande d'autorisation préalable pour la modification des enseignes de l'amphithéâtre. Mébrock Boukersi. Oui, suite à une pose d'enseigne pour un changement de nom et d'enseigne, ça rentre aussi dans les codes d'urbanisation concernant les enseignes dans le cadre des ERP. Le construction et l'habitation stipulent que la pose ou le remplacement des enseignes ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par les autorités administratives qui vérifient leur conforme aux règles. Le nouveau nom de l'amphithéâtre, l'amphi, nécessite la modification de ces enseignes. À ce site, ça rentre dans le cadre de ces codes-là, mais aussi dans le cadre des RLPI, Règlement local de publicité intercommunale, pardon. Donc, il est demandé d'autoriser le maire à pratiquer cette modification. Merci. Je mets aux voix. Qui s'oppose ? Oui, une question ? Je vous en prie, on va vous passer le micro. Oui. Merci. On votera pour ces délibérations, hein, il n'y a pas de souci, mais il y a une contradiction entre vos propos et puis la réalité des choses.
parce que l'inauguration a eu lieu déjà du nom de l'amphithéâtre, donc qui s'appelle l'amphi maintenant, et on demande l'autorisation maintenant. Donc on vote l'autorisation aujourd'hui pour une inauguration qui a eu lieu la semaine dernière. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Cela s'appelle en urbanisme une régularisation, ce que l'on fait avec des habitants qui ne font pas forcément les choses, ou tout simplement parce qu'elles viennent après. Et c'est absolument pas illégal, c'est juste un élément de régularisation. Sur la libération, c'est indiqué le remplacement des enseignes peuvent être exécutés qu'après autorisation. Donc l'autorisation, on la donne ce soir. Mais justement, il s'agit d'une régularisation. Alors, c'est pas tellement logique. Donc du coup, entre l'intitulé de la libération et ce qui est inscrit, et l'arrêté des choses, c'est contradictoire. On donne autorisation ce soir pour quelque chose qui est déjà voté, donc c'est pas une régularisation. En fait, cette délibération régularise en fait la situation, tout simplement. Voilà. Je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté, merci. Dolores Rodriguez, il s'agit d'autoriser le maire à signer un protocole d'accord transactionnel avec M. Hakim Yayaoui en vue de mettre un terme à l'action contentieuse lancée par ce dernier. Eh bien, Monsieur le maire, merci de me donner la parole. Vous avez tout dit dans le titre. Le conseil municipal est informé de ce protocole qui vise à sortir d'un contentieux dans le cadre d'une situation individuelle. À mon avis, il n'y a pas besoin forcément de commenter plus en avant cette délibération. Le protocole est annexé à la délibération avec tous ceux qui s'y réfèrent. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. La délibération numéro 25, les conditions d'attribution et modalités d'utilisation des véhicules de service et de fonction. Dolores Rodriguez. Alors là, il s'agit d'une délibération visant à rendre, comme on l'a expliqué en commission municipale, à rendre plus transparente et encadrée l'utilisation des véhicules de service, des véhicules de fonction, et y compris des véhicules remisables à domicile. Tout est dans la délibération, là encore, avec le règlement intérieur qui est annexé. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Julien Dussard. Merci que ce type de délibération qui met en avant la transparence passe au conseil municipal. D'autres collectivités ont mis à l'ordre du jour ce genre de délibération, mais en définissant ceux qui peuvent bénéficier d'un véhicule de fonction. Ce que j'entends véhicule de fonction, c'est un véhicule qui permet à son titulaire d'effectuer des trajets aussi bien professionnels que privés. Nous aurions souhaité que vous nous donniez des éléments supplémentaires. Quel agent et quel élu peuvent bénéficier d'un véhicule de fonction au sein de la collectivité ? Je peux répondre, monsieur le maire, si vous... Oui, je vous en prie. Alors, c'est une délibération qui est publique. Les noms, tout sera public. Alors, aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a des demandes dont l'autorité territoriale autorise ou pas les élus, les personnels. Donc, vous aurez juste à vous rapprocher du DGS ou de la question. Après, on ne peut pas donner des noms figés. Il me semble juste logique qu'une autorisation donnée à un jour, à un instant T, pour une mission particulière, on ne puisse pas l'ancrer dans le marbre. Ça peut bouger. Mais effectivement, on pourra tout à fait transmettre. C'est de l'ordre public. Je vous en prie. Oui, je parle des véhicules de fonction. Hein, bien sûr, les véhicules de service... c'est particulier parce que oui, c'est en fonction des mouvements, des réunions, etc. Mais les voitures de fonction, il y a d'autres collectivités. Je vous invite à aller voir sur internet, hein, tout simplement. Il y a des collectivités qui délibèrent avec les noms des personnes qui possèdent une voiture de fonction. Je comprends très bien que des agents ont une voiture de fonction, hein, c'est légitime, c'est normal. Voilà, c'est vraiment pour une question de transparence totale. Alors, les véhicules, monsieur Dussard, qui seront alloués de manière permanente et bornée dans le temps, seront évidemment accessibles à tous.
Il faut faire la différence entre, pour ça qu'il faut bien lire ce qui est écrit, entre les véhicules de fonction, les véhicules de service, c'est pas la même chose. Ça peut être ponctuel, mais effectivement, quand c'est alloué, je suppose que vous faites allusion aux véhicules peut-être des élus, si c'est ça la question, ça sera tout à fait transparent et inscrit, et vous pourrez avoir tous les éléments quand vous voudrez les demander. Mais avant ça, il faut d'abord qu'on délibère sur le principe de transparence pour les véhicules de la ville. Nous appliquons la loi. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc, la loi, elle est plus solide qu'Internet. Internet, on trouve de tout. Mais, un petit clin d'œil, je me disais, c'est pas que j'avais pris les paris, parce que j'aurais sans doute gagné un peu d'argent ce soir, ou un bon repas, ou un coup à boire dans un des bistrots de la ville, mais... Vous le voyez, il n'y a pas de matière à débat, en fait, sur cette délibération, puisqu'elle fait preuve de transparence, c'est l'application de la loi, elle propose d'encadrer juridiquement des situations, c'est la loi, et c'est une garantie collective qui honore la majorité. Donc, je voulais juste vous rappeler ce contexte-là. Je m'attendais à vos questions, parce que derrière les questions, il y a aussi, finalement... ce qui est en creux dans vos questions. Ce qui est en creux, c'est tout simplement ce que vous avez eu l'habitude de dire dans cette enceinte, en fait. Derrière. Mais je vois que vous n'y venez pas, véritablement. Ça montre que, en fait, vous êtes finalement assez démunis par rapport à cette délibération qui est finalement quelque chose d'évident, d'application de la loi. Et c'est vrai que je me rappelle, puisque tout est enregistré dans nos débats, vous aviez amené des éléments sur ces sujets et vous réclamiez à ce moment-là la transparence nécessaire et la loi nécessaire, mais qui était déjà appliquée. Je voulais juste tout simplement vous le rappeler. Donc je ne suis pas déçu de votre intervention. En fait, je m'y attendais. J'étais certain que vous feriez finalement ces interventions-là et que... nous amener vers une espèce de confusion qui peut y avoir. D'ailleurs, j'ai l'intime conviction que vous confondez des choses encore aujourd'hui sur la question véhicule de fonction, véhicule de service. Mais c'est ainsi. Donc vous voyez que, en fait, à vouloir toujours chercher qui finalement est plus propre ou plus blanc que l'autre, on finit toujours par se casser le nez. Donc il y a toujours... beaucoup de prudence sur ces sujets-là, parce qu'on pourrait aussi regarder d'autres situations ailleurs, etc. Et vous voyez que, finalement, cette délibération n'est que le fruit de l'application de la loi, très simplement, et qu'il n'y a rien à en débattre, en fait. Et j'ai bien compris que, derrière vos propos, en creux, se nichait, sans aucun doute, une volonté... mais je vois que vous êtes très prudent, donc tant mieux, tant mieux. Vous l'aviez moins été à d'autres occasions, mais c'est tant mieux. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Non ? Eh bien alors tout le monde est content, c'est parfait. Je mets aux voix. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Abstention sur la loi. C'est bien. Donc abstention sur la transparence. Adopté. Les conditions, la compensation des heures supplémentaires, indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Dolores Rodriguez. Oui, alors nous avions déjà pris ce même type de délibération pour la période du 1er mai au 30, du 1er mars pardon, au 31 mai. C'est une délibération qui nous permet de déroger au taux maximum de 25 heures supplémentaires. Que les agents peuvent faire. C'est lié exclusivement à la crise sanitaire. Donc là, il faut que nous délibérions pour la période du 1er août au 31 octobre. La loi nous oblige à délibérer pour pouvoir déroger
à cette règle des 25 heures maximum d'heures supplémentaires. Y a-t-il des observations ? Non. Je mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstient. Unanimité. La modification du tableau des effectifs. Alors, vous avez une modification du tableau des effectifs, et comme vous avez pu tous le remarquer, nous avons une création, une transformation de poste premier catégorie B en catégorie A pour la création d'un poste du chef de service finance. Nous avons la recrutation d'un poste de catégorie B en catégorie A pour la communication, hein, suite à un départ d'un agent. Nous avons deux déroulements de carrière, avancement de grade, et une mise en adéquation entre les missions et le poste à la vie associative d'un agent de catégorie C qui passe on transforme le poste en catégorie B. Évidemment, ça a été vu en CT et un avis unanime. Merci. Y a-t-il des observations par rapport à cette modification du tableau des effectifs ? Non, je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité. Cette délibération qui était prévue à l'ordre du jour, je vous propose de la retirer. En effet, il s'agit de l'autorisation donnée au maire de signer la convention de cofinancement des travaux de curage de l'étang des Beaux-Châtelets, suivant un bureau d'études qui avait fait un travail d'évaluation et surtout ensuite un appel d'offres qui a été lancé par la commune de Clé, maître d'ouvrage. Il s'avère que cet appel d'offres est infructueux et donc nous ne pouvons pas délibérer sur les clés qui sont proposées, tout simplement. Et que globalement, il semblerait que ce qui est proposé en termes de coûts soit très largement supérieur à ce qui était imaginé dans les études, donc qui nécessitera sans doute d'autres discussions avec la commune de Clé, avec la fédération des pêcheurs, avec la métropole, même si elle a une part très faible dans cet élément-là. Je la retire donc et je laisse la parole à Michel Langlais pour le programme acté, la candidature à l'AMI Merisier. Merci Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Donc en effet, une candidature à un appel à manifestation d'intérêt. Cette AMI a été lancée par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, au mois d'avril 2021, à destination des bâtiments scolaires primaires des collectivités. Cette AMI a le nom Merisier. Je vous laisse juge des jeux de mots de cet organisme. Mutualiser les écoles pour rénover, imaginer des solutions, implanter, évaluer et récolter. Donc l'objectif, c'est d'apporter un financement dédié aux coûts organisationnels liés aux actions d'efficacité énergétique des bâtiments scolaires primaires des collectivités pour les acteurs publics proposant une mutualisation des projets de territoire permettant de massifier les actions de réduction des consommations énergétiques des collectivités et de créer des coopérations entre établissements publics ayant pour objet l'efficacité énergétique et idéalement à la maille interdépartementale mais également infradépartementale. Donc c'est notre cas et compte tenu de la problématique présente de la mise en œuvre opérationnel du décret tertiaire et donc on a saisissant l'opportunité de cette AMI, la métropole a souhaité porter un groupement d'acteurs locaux, donc nous retrouvons les communes de Gières et Échirolles, Pont-de-Clay, Vars et la SPL ALEC qu'on connaît bien dans cette instance de la grande région grenobloise pour y répondre. Cette candidature porte entre autres sur le financement à hauteur de 50% des études énergétiques, des études pour la rédaction de cahiers des charges, d'achat de matériel de mesure à destination des écoles élémentaires. Ces études et outils doivent permettre la mise en place de plans d'action pour la réalisation de travaux et de rénovation énergétique.
Donc pour notre commune, la candidature porte sur l'achat de compteurs calorifiques et électriques avec les outils de suivi associés, ce qui nous permettra de suivre nos consommations et d'ajuster nos stratégies, l'élaboration d'un schéma directeur de l'immobilier et de l'énergie, intégrant des problématiques de rénovation, d'optimisation énergétique des bâtiments, mais également de mise en conformité des bâtiments scolaires. La réalisation d'études thermiques avec simulation thermique dynamique afin d'améliorer le confort d'été des bâtiments scolaires, un sujet qu'on peut retrouver régulièrement ces dernières années avec les canicules qu'on a pu subir, notamment dans les écoles. Et la FNCCR versera donc ses subventions à la métropole qui sera en charge de les redistribuer. Donc si vous avez été un peu plus loin dans la délibération et que vous avez étudié la répartition, vous pourrez noter qu'entre les différentes communes et la SPL ALEC, la ville de Pont-de-Claix est notamment bien loti dans cette répartition, puisque notre demande de subvention se porte à hauteur de 85 000 euros. Ça rejoint ce qu'avait pu aborder Maxine Infosi tout à l'heure lors des modifications des finances, puisque en effet nous avons lancé un nombre important d'études sur la rénovation énergétique des bâtiments dans le cadre de ce schéma directeur de l'immobilier et de l'énergie. Et donc je salue le travail des services de la ville qui, anticipant ces problématiques de rénovation énergétique, on a pu se positionner sur de nombreux financements dans le cadre de cet AMI. C'est pour ça qu'on est très bien lotis au niveau des montants, donc 85 000 euros sur un montant total de environ 150 000, c'est notable. Donc je me félicite qu'on puisse se porter candidat dans ce type d'appel à manifestation d'intérêt, et j'espère que nous le referons. Merci. Merci. Est-ce que ça vous inspire ? Bien, je mets aux voix. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Le merisier vous convient ? Adopté. Merci. Il s'agit de l'autorisation donnée au maire de déposer des demandes de subvention dans le cadre de l'appel à projet contrat de ville. C'est qui rapporte ? Maxime Linfosi. Oui. Vous connaissez tous le contrat de ville. Donc pour le nouveau appel à projet donc 2022, la session donc du dépôt des dossiers ouvre donc demain, donc du 1er au 30 octobre. Donc l'ensemble des projets seront déposés à la métropole qui est chef de file sur la politique de la ville et qui permettra donc d'examiner l'ensemble des actions relatives aux trois piliers du contrat de ville qui sont la cohésion sociale, le développement urbain et le développement économique et l'emploi. Donc c'est un travail qui est mené par les services, les élus et l'ensemble des partenaires, notamment les associations. On aura notamment en 2022 l'ensemble de la programmation qui fera l'objet notamment d'une délibération au conseil municipal. Donc là on va laisser l'ensemble des services métropolitains et municipaux travailler et on aura le résultat de tout cela au mois de février prochain. Merci. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Unanimité. Nous arrivons à vœux au conseil municipal, la proposition de vœux présentée par le groupe Pont-de-Claix, reprenant la parole, portant sur la loi dite de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. La parole est à Jérémy Gionneau. Merci. Je vais
pas vous lire le vœu puisque vous l'avez sur table. Je me contenterai de contextualiser, c'est-à-dire que la loi Chalas, puisque c'est de ça qu'on parle, c'est deux choses. Globalement, on avait déjà eu des échanges dans cette assemblée sur le sujet. D'une part, c'est un ensemble de recul des droits des agents territoriaux, notamment la question des 1607 heures, donc augmentation du temps de travail, la question des atteintes aux droits de grève et la question, y compris de la suppression des CHSCT intégrés dans les CST, donc à l'image de ce qui s'est fait dans le privé. Et pour n'en citer que trois. Donc ça, c'est un élément. Et l'autre élément, c'est peut-être, y compris encore plus grave, des attaques sur le statut de la fonction publique territoriale, avec la facilitation du recrutement de contractuels, les contrats de projet qui permettent de recruter des agents pour une durée de 6 ans, et donc évidemment, comme par hasard, la durée d'un mandat, et la codification du statut, qui consiste tout simplement à abaisser le niveau en termes de normes de ce qu'est le statut et à permettre de fait son démantèlement. Alors le statut, qu'est-ce que c'est ? Le statut qui a été construit donc à la fois par le vice-président du Conseil Maurice Thorez en 1946 et le ministre Anicet Le Pors en 1983, c'est pas seulement des droits pour les agents, contrairement à ce qu'on entend au quotidien dans les médias, je dirais que c'est même pas principalement des droits pour les agents. C'est surtout le pilier fondamental de la fonction publique à la française. À l'inverse du modèle anglo-saxon, où les collectivités sont gérées comme le privé, et où on a des contrats qui sont renouvelés en fonction des mandats, y compris des changements de mandat, avec tout ce que ça suppose, notamment aux États-Unis, en termes de clientélisme et de népotisme. Le statut, c'est la garantie de l'indépendance et de la probité des fonctionnaires, et c'est la garantie de traitement, de l'égalité de traitement des usagers. Et y compris, on sort d'une pandémie où, enfin on espère qu'on va en sortir, mais en tout cas, on n'a peut-être pas passé le plus dur, une pandémie qui a rappelé combien ce service public à la française était indispensable. On aurait pu penser que le législateur allait revenir sur ces décisions qui commencent à s'appliquer, mais non, rien ne change, au contraire, ils engagent même le travail de codification. Alors, on a là, du coup, une attaque sans précédent contre la fonction publique française, et y compris notre modèle républicain, mais aujourd'hui, Madame Chalas nous dit que la loi est plébiscitée par les collectivités, et donc l'objectif de ce vœu, à pont de clé, mais pas seulement, c'est de démontrer que non, les collectivités sont attachées au principe de libre administration et au modèle de la fonction publique tel que nous l'avons dans notre pays. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous appelons la collectivité à se positionner sur ce sujet et à réclamer du coup l'abrogation de la loi Chalas. Merci. Merci. La parole est à Dolores Rodriguez. Merci, monsieur Genot, pour ce vœu. Notre majorité municipale a été particulièrement attentive à vos propos. Elle s'associera donc à ce vœu qui rejoint ses préoccupations vis-à-vis de la loi, particulièrement en ce qui concerne la libre administration des collectivités territoriales. Toutes les collectivités sont contraintes d'appliquer le principe de la loi et en particulier la suppression des régimes dérogatoires antérieurs à 2001. Sur la durée légale du travail au sein de la fonction publique, et ce, avant le 1er janvier 2022. C'est d'ailleurs ce que nous ferons. C'est d'ailleurs ce que font les collectivités partout en France. Pour être plus proche de nous, hein, les premières Saint-Égrève, Saint-Martin-d'Air, Grenoble et Chirol, chacune de ces villes travaille justement sur le temps de travail avec plus ou moins d'attachement au respect du dialogue social et à la concertation des agents. Ça, c'est un constat. Aussi, nous nous proposons de modifier ce vœu, supprimant le 6e paragraphe. On ne peut pas à la fois voter un texte et en parallèle mener des négociations en tant qu'employeur sur cette base. Il est nécessaire de clarifier les rôles. Au moment, notre majorité l'avait clairement fait d'ailleurs, au moment de la délibération de principe sur les 1607 heures, une déclaration qui rappelait notre opposition à cette loi, que vous avez appelée loi Chalas, que nous appelons loi Macron,
C'est à ce moment-là qu'il fallait s'y associer, par votre vœu. Cela aurait été, me semble-t-il, plus opportun. Le pire des retards n'est-il pas celui de croire qu'on est en avance ? Je le répète, nous voterons ce vœu tel qu'amendé, mais nous nous interrogeons tout de même sur sa portée. Merci. Merci, Madame la maire adjointe. Monsieur Giono. Oui, donc il n'y a aucun problème pour la modification que vous proposez. Alors effectivement, on était un certain nombre à être dans la rue hein, face à cette loi. Et je pense que les choses, tant qu'une loi n'est pas votée, c'est à ce niveau-là que ça se passe, ainsi qu'au Parlement, où, y compris le groupe parlementaire auquel on peut se référer en ce qui nous concerne est monté au créneau, pas tout seul, hein, sur cette question. Et je pense qu'on a finalement, effectivement, la mobilisation n'a pas été au niveau à cette époque-là. Et ça doit nous permettre de mesurer le pas à franchir pour faire prendre conscience des enjeux autour de la défense du statut. C'est l'esprit de ce vœu, c'est-à-dire qu'on sait très bien que ce n'est pas parce qu'une mairie ou 10 mairies ou 20 mairies ou 100 mairies se positionnent pour réclamer l'abrogation d'une loi que cette loi est abrogée. C'est une position de principe que nous allons prendre ce soir tous ensemble, du coup, si j'ai bien compris, et je m'en félicite. Mais c'est une position de principe qui doit nous permettre, y compris, d'éclairer le débat public et d'éclairer, y compris, les dangers, enfin, sur les dangers que représente cette loi pour faire prendre conscience, aujourd'hui, à nos concitoyens que, bah, tout simplement, le statut, c'est pas un privilège, quelque part, de quelques-uns. C'est, en fait, y compris parce que fonctionnaire, souvent, on est quand même moins bien payé que dans le privé, hein, faut quand même le répéter, ça aussi. Mais du coup, on est bien dans le cadre d'un élément qui garantit des droits pour les citoyens. Il y a une bataille culturelle à mener, et donc c'est l'objectif aujourd'hui qu'on se fixe en tout simplement amenant la collectivité à prendre une position sur ce sujet. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur ce point ? Non. Petit clin d'œil aussi, Boussitiane, Issé Le Port. C'est bien aussi de citer Pierre Mauroy et François Mitterrand aussi, Monsieur Giono. Ça permet toujours d'être les choses un peu équilibrées sur qui a fait quoi. C'est parfois et souvent partagé. Je mets aux voix l'amendement que nous voterons, qui s'oppose, qui s'abstient. L'amendement est adopté. Le vœu ainsi amendé, qui s'oppose, qui s'abstient, vœu adopté. Merci. Nous arrivons à la compte rendu des décisions du maire prises depuis la dernière séance. Vous en avez eu la liste. Est-ce que ça appelle des observations ? Oui, Jérémy Giono. Ah, peut-être. Enfin, après, c'est plus des questions qui viendront en commission, sûrement, sur le. Je pense qu'il sera intéressant de préciser les surfaces des logements concernés par les conventions d'occupation temporaire, les surfaces pour et la base de calcul des loyers appliqués. J'avais d'autres trucs, mais on les posera en commission, je pense. Faites-nous passer vos questions et on fera comme la dernière fois, on vous répondra par écrit. Comme ça, si on peut le faire avant la prochaine commission, c'est bien. Merci. Il y a une question qui a été déposée par le groupe Pont-de-Clé, reprenant la parole sur la mise à disposition du local à l'Office municipal des sports. Je vais laisser la parole à Jérémy Giono. Alors, j'ouvre les guillemets. Vous nous avez fait part du souhait de l'OMS de pouvoir porter conjointement des projets avec des associations pontoises dans une logique de complémentarité, ce dont nous nous félicitons. La ville sera particulièrement attentive à ces initiatives pour les accompagner afin d'encourager le dynamisme associatif pontois. Par conséquent, nous vous remercions de bien vouloir libérer les locaux que vous occupez actuellement. Fermez les guillemets. En gros, nous reconnaissons le rôle important de votre association dans la vie locale et nous sommes prêts à vous soutenir et par conséquent, nous vous expulsons du local au travers duquel vous organisez ce rôle. Alors non, tout ça n'est pas tiré du dernier best-seller de Franz Kafka, mais bien des courriers qui ont été adressés à l'Office municipal des sports cet été et à la rentrée. Alors, pour les nouveaux élus ainsi que celles et ceux qui nous écoutent en direct, faisons un petit peu de contexte, je vais être bref, promis. L'OMS de Pont-de-Clé, c'est quoi ?
Avant 2008, c'était l'acteur, donc l'Office municipal des sports, c'était l'acteur central du monde sportif sur la commune qui faisait le lien entre les clubs, y compris au travers de la répartition des subsides municipaux, dans un esprit démocratique et, disons-le, autogestionnaire. La maison des sports avait alors pignon sur rue, dans le bâtiment à l'angle du cours et de la rue du Trièvre. Ce rôle a pris fin au changement de majorité en 2008, puisque, à l'image d'ailleurs de ce qui se fait aujourd'hui à Fontaine, le lien avec les clubs a été remunicipalisé et l'ancienne logique démocratique a été remplacée par une plus classique et, il faut le dire, plus pratique en termes de subordination des associations, une politique de guichet individualisé. Mais l'association n'est pas morte pour autant. Tout en maintenant le lien avec les clubs sportifs, et je dois reconnaître que mon passage à titre très modestement, quand on avait une expérience avec la tentative de remonter un club de boxe, bon, qui s'est malheureusement soldé, mais pas pour des raisons indépendantes de la volonté de tout le monde ici, mal soldé, mais du coup l'OMS avait été d'un secours assez, enfin d'un appui assez conséquent. Au-delà de cet aspect-là, elle a su se réinventer, et on peut dire qu'elle fait figure d'exemple dans ce domaine. Vide-grenier, fête interpeuple, animation, soirée à thème, etc. Les actions de l'OMS rythment la vie pontoise, font du lien, incarnent le vivre ensemble au quotidien. Dans de nombreuses communes, il y a un comité des fêtes ou une amicale laïque qui joue ce rôle de pivot de la vie locale. À Pont-de-Clé, l'histoire de ces 10 dernières années a fait que c'est l'OMS qui joue ce rôle. Et aujourd'hui, ils sont menacés d'une expulsion manu militari qui, si elle devait se concrétiser telle qu'elle, signerait de fait la mort de l'association. Parce que non, troquer un local de 60 mètres carrés environ, si je ne me trompe pas, avec un bureau de 7 mètres carrés, qui plus est partagé avec d'autres, ce n'est pas accompagner et encourager le dynamisme d'une association aussi centrale, c'est l'euthanasier froidement. Ne voyant strictement aucune raison objective à cette décision, nous n'osons évidemment envisager qu'il s'agisse d'une mise au pas liée à certains engagements parallèles de ses membres. Et donc, ce qui m'amène du coup à poser ma question, quels sont précisément les critères retenus pour justifier l'expulsion de l'OMS du local qui lui est attribué à l'ancienne école Taillefer depuis 2008 et quel projet alternatif est prévu sur ce lieu, je parle de l'école Taillefer. J'ajoute pour terminer qu'un certain nombre de membres de l'OMS sont présents ce soir et n'ayant pu obtenir de rendez-vous, ils souhaiteraient pouvoir s'exprimer devant le Conseil, parce que personne n'est mieux placé qu'eux pour plaider leur cause, j'ai envie de dire. Et donc vous avez ce pouvoir, en tant que, avec le pouvoir de police de régulation sur le Conseil, vous avez le pouvoir de permettre cette expression, et donc je relaie cette demande, et je vous demande qu'on puisse du coup les entendre dans le cadre de cette question et des réponses. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose, avant de laisser la parole à l'adjoint en charge, je vous propose de laisser la parole à qui souhaite s'exprimer dans le public. Je l'ai toujours fait, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Qui souhaite s'exprimer? On va vous donner un micro. Attendez. Oui, d'abord, merci, monsieur le maire, de nous donner la parole. Voilà, je ne pensais pas qu'un jour je serais obligée d'intervenir, parce que jusqu'à maintenant, vous aimez à le dire, monsieur le maire, que vous êtes un enfant de Pont-de-Clé. Voilà. Et moi aussi, je suis une enfant de Pont-de-Clé depuis très longtemps, d'ailleurs. Je n'ai jamais quitté Pont-de-Clé, j'aime ma ville, mais ce que je suis en train de vivre à l'heure actuelle, je le vis très très mal. Parce qu'on ne comprend pas, on trouve qu'il y a une injustice, une incompréhension, et le fait de ne pas avoir pu vous rencontrer, ça nous met encore plus mal à l'aise, puisque il me semblait malgré tout que même par des différences autres, eh bien, il était possible de pouvoir discuter avec vous, parce que vous avez toujours dit que vous étiez le maire de tous les Pontois. Voilà, et c'est pour ça que nous avons été obligés de faire passer un courrier à tout le conseil municipal, parce que, voilà, je ne sais pas ce que le conseil en pensera, mais de nous dire que nous avons baissé dans nos activités, quelle est l'association qui n'a pas vécu l'année 2020 de la même façon que nous l'avons vécu. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui,
nous avons toujours œuvré pour l'image de la ville. C'est pas pour nous. Nous, notre avenir, il est derrière. Si nous faisons tous ces événements, ces animations, c'est aussi pour les Pontois, les Pontoises. Et vraiment, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Est-ce que vraiment, ce qui a été dit en 2008, qu'il fallait détruire l'OMS, et effectivement, vous avez commencé par nous supprimer 90% de la subvention. Nous avons quand même fait tout ce qu'il fallait pour essayer de remonter, voilà. Et maintenant, on a vraiment l'impression que c'est l'estocade et qu'il faut que l'OMS disparaisse. Voilà, monsieur le maire, notre ressenti. Merci beaucoup. Du coup, je reprends la séance qui avait été suspendue et je laisse la parole à Maxime Nafosi. Merci, monsieur le maire. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Entre le mois de mai et tout début juillet, rencontré près de 39 associations sportives, culturelles, de solidarité, individuellement, avec régulièrement la présence des services municipaux, pour faire à la fois le point sur la situation que les associations traversaient, quels étaient les projets de la ville en matière de politique sportive associative, voire culturel et solidaire au travers de mes deux collègues, et également de faire le point sur les projets des associations. Donc le 5 juillet dernier, j'ai rencontré monsieur le président de l'OMS, le nouveau président de l'OMS, avec qui on a pu notamment partager à la fois nos projets respectifs. Moi, je regrette ce soir que vous ne parliez pas d'apprentissage. Aujourd'hui à Pontclé, celle qui sert d'amortisseur à la crise sanitaire et qui permet à de nombreux concitoyens de pouvoir exercer une pratique sportive, culturelle, de s'engager dans le tissu associatif et de porter la citoyenneté plus fortement sur notre territoire. Et on sait, notamment au travers de ce qu'on traverse aujourd'hui, qu'il y en a besoin. C'est l'OMS d'il y a longtemps. Vous avez fait référence à 2008, voire dans le courrier en 1965, c'était l'OMS d'antan qui portait ces sujets-là, qui portait le soutien à la vie associative, au bénévolat, qui travaillait sur les projets de formation en direction des bénévoles. Et vous verrez dans les tout prochains jours le contenu qui sera proposé. C'est l'OMS qui portait également avec les institutions tout ce qu'on fait aujourd'hui en matière de développement des pratiques sportives culturelles dans nos écoles, avec l'augmentation des moyens humains qu'on met. On parle notamment des TAPS mis à disposition dans les grandes sections de maternelle. On parle des traversées culturelles qui sont mises en œuvre. Et vous parlez notamment là de politique de guichet. Moi, c'est finalement un désaveu que vous portez au service public qui vous tient si cher, à la défense de ces agents qui travaillent au quotidien pour porter justement ces projets, et dire que c'est une question de guichet quand on met des moyens renforcés. Je tiens à le souligner, la vie associative, on a mis en place un nouvel agent qui est chargé de développement associatif et qui fait le lien avec toutes les associations de la commune. Donc il y a encore des plus-values qui sont apportées. Vous faites référence à 2008 et au changement de cap que nous avons initié avec le président de votre association qui était aux commandes à ce moment-là, qui portait aussi la responsabilité de ce travail-là, qui était d'amplifier le service public en permettant notamment à la ville de se doter d'un service des sports et d'un service de la vie associative digne de ce nom, capable de pouvoir irriguer les politiques sportives et faire en sorte qu'on puisse diffuser sur la ville à la fois en direction des enfants, à la fois en direction de nos seniors et des familles, l'ambition qui était la nôtre. Effectivement, ça s'est traduit
par une baisse significative des subventions. C'était, je crois, en 2008, vous l'avez, ça a été dit, moins 90% de subventions. Le conseiller municipal délégué au et de la vie associative à l'époque avait porté ardemment ce changement. Ça a été par la suite développé sous le mandat, le deuxième mandat, donc en 2015-2016, où il y avait eu à ce moment-là la même situation. On avait diminué à peu près de 1 000 euros la subvention. C'était mon prédécesseur qui portait cela à l'époque. Et je me souviens des propos qu'il avait tenus sur justement le rôle de défense que, par rapport à l'OMS. Et finalement, quelques années après, bon, j'étais déjà d'accord avec lui en 2015-2016, mais ses propos tiennent encore tout leur sens aujourd'hui. Donc j'ai reçu le 5 juillet Philippe Rosière, donc c'est le président de l'association. J'ai développé ce que je viens de dire. Je ne trahirai personne si je relate quelques propos. Je n'ai pas l'habitude d'exprimer ce qui est dit dans nos réunions et nos rendez-vous individuels, mais je vais, permettez-moi de le faire aujourd'hui. Ce qui a été diagnostiqué, en tout cas de la part du président, c'est de dire que c'est une association qui, finalement, qui a besoin d'un nouveau souffle, d'avoir de nouveaux projets en tête, d'avoir de nouvelles personnes pour insuffler une nouvelle dynamique. Donc moi, je ne suis pas critique de ce que a pu faire ses prédécesseurs, et je l'ai dit notamment à une assemblée générale en remerciant le travail au nom de la municipalité qu'avait fait Christian Robillard, à la fois pour l'OMS, mais à la fois en tant qu'adjoint au sport, et j'ai eu l'occasion de lui dire à titre privé que s'il y avait peut-être un exemple d'adjoint au sport sur la commune et pour lequel moi je pourrais aussi calquer le travail qui est fait, c'est bien celui de Christian Robillard, et je l'ai dit à plusieurs reprises sans honte, puisque au même titre que Dolores Gomariz, au même titre que Monsieur le maire, moi aussi je suis un enfant de Pontclé, moi aussi j'ai bénéficié de tout le travail qui a été fait dans les années 80 jusqu'en 2008, et je sais ce qui a été fait. J'ai demandé au président de l'OMS, ce premier rendez-vous, quels étaient ces nouveaux projets. Il m'a évoqué notamment la volonté de porter des événements sur la ville, ce à quoi j'ai répondu qu'on serait attentif aux projets proposés et que dès lors qu'ils correspondent aux ambitions de la ville, nous pourrons naturellement les accompagner, à la fois de manière, en termes de moyens financiers, voire de moyens matériels ou humains. La seconde demande, c'était de pouvoir remettre des coupes lors de manifestations. Dont acte, je n'ai pas à juger de tout cela. Est venue la question de l'occupation des locaux, et je lui ai fait part notamment d'une volonté croissante d'autres associations de pouvoir bénéficier d'équipements sur la ville. Parce que vous avez peut-être 60 mètres carrés aujourd'hui, mais il y en a qui n'ont rien du tout. Il y en a qui n'ont même pas 7 mètres carrés. Et donc c'est naturellement qu'on vient aussi s'interroger en fonction du degré de maturité des projets des associations qu'on rencontre. Et j'estimais notamment que l'OMS avait plutôt un rôle plus grand à jouer en étant dans la maison des associations qui tient à cœur à votre président, qui me l'a très souvent répété, voire personnifié cet équipement en disant que c'était son incarnation, son souhait. Et donc je lui ai naturellement proposé qu'il puisse venir dans ses locaux, faire vivre l'esprit qui était le sien lorsqu'il a été conseiller délégué au sport et à la vie associative, et qui m'a naturellement dit, ce jour-là, le 5 juillet, en présence du directeur des sports de la vie associative, « OK ». Donc on s'est quitté sous cet accord-là. Il y a une convention d'occupation du local qui est caduque depuis mai 2019. Je regrette que ça n'ait pas été prolongé à ce moment-là, mais moi, je n'étais pas adjoint au sport et à la vie associative, donc je ne suivais pas ce sujet-là. Donc, dommage que ça n'ait pas été fait juste au moment de cette période qui était coïncidée avec le départ des élections municipales. C'est dommage.
Donc, après cet accord, on a eu une relance 15 jours plus tard d'une demande de rendez-vous. Donc, j'ai du mal à percevoir ce qui a pu être fait entre ce 5 juillet et ce 20 juillet, ce qui a été dit au sein de votre association, peut-être des désaccords profonds. Mais voilà, je ne fais pas d'ingérence dans tout ça. Donc, on nous a sollicité pour nous demander un rendez-vous, ce à quoi le maire qui m'a confié cette délégation m'a demandé de re-recevoir l'association dite, qui était donc le président en présence notamment de Christian Robillard et de Dolores Gomaris. J'étais en présence du directeur de cabinet, parce que c'est toujours bien d'avoir aussi d'autres oreilles. Et malheureusement, le rendez-vous a très mal commencé, sous une forme de chantage qui était de dire moi, si je récupère pas mon local, je quitte le rendez-vous. Ce à quoi j'ai dit, il y a un respect peut-être républicain, vous parlez tout à l'heure de respect entre les associations et la municipalité, le respect il passe notamment pas que par les paroles, mais il passe aussi par les actes, et ce à quoi finalement j'ai dit de rappeler au calme et pouvoir réaborder ces sujets. Je n'ai pas changé de ligne, je ne suis pas de nature à dévier des lignes lorsque elles me semblent pertinentes et justes. Et donc on est venu à débattre de tout cela, et à la fin, malheureusement, le président a souhaité quitter avec fracas la réunion et nous laisser en plan. Moi, je le regrette, je ne pense pas que ce soit une attitude qui soit acceptable. Je ne pense pas qu'en tant qu'ancien élu, il aurait aimé avoir ce type de position en face de lui. Donc, je le regrette fortement. Lors du forum des associations, on a eu l'occasion, notamment avec Dolores Gomariz et le directeur de cabinet qui était à mes côtés, de rencontrer et d'échanger notamment avec Claude Balmant, qui est représentante de la Fédération nationale de l'OMS, à qui on a rassuré de notre volonté de pouvoir laisser l'OMS agir, continuer à travailler et de pouvoir finalement étudier les projets qui seront proposés. Vous les avez cités, David Grenier, ce à quoi on a accepté de l'occupation du domaine public, d'autres événements notamment autour du Festival de la Paix, du travail qui peut être fait autour de la mémoire sur le sport. Donc c'est des projets qui seront en cours et pour lesquels l'OMS sera associée comme n'importe quelle association de la commune. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire le tri entre les associations. Je suis issu du milieu associatif, donc je sais ce que ça peut représenter d'être marginalisé, et ce n'est pas mon état d'esprit, ce n'est pas notre état d'esprit, et je n'accepte pas d'entendre dire l'OMS est l'OMS est expulsée. Nous, on a plutôt le sentiment que c'est une bonne chose qu'elle soit à la maison des associations, parce que la fonction finalement de l'OMS, c'est de pouvoir accompagner les autres associations. Et quel est le meilleur lieu que la maison des associations pour pouvoir exprimer ce projet-là? Donc je pense que c'est un pari sur l'avenir, un beau pari. Il y a toute confiance à ce que vous puissiez occuper ces lieux. J'ai rassuré l'association notamment sur le fait de pouvoir occuper à la fois les salles de réunion pour pouvoir vous rencontrer, à la fois, on a parlé de photocopieurs tout à l'heure, de pouvoir avoir accès aussi aux moyens matériels de la maison des associations. Donc pour moi, il n'y a pas de réelle difficulté, si ce n'est la volonté peut-être d'instrumentaliser cette situation. J'étais surpris du courrier qu'on a reçu hier. Alors, à la fois des mots qui ont été prononcés, SDF, moi je regrette quand on voit qu'il y a des associations aujourd'hui qui sont dans la difficulté à la fois en termes d'occupation de locaux, en termes d'équipement, en termes de baisse d'adhérents, de vous préoccuper de votre confort personnel. Les moyens mis à disposition des associations sont les mêmes pour tous, c'est-à-dire elles ont accès à l'ensemble des équipements qu'on ne fait pas payer sur notre commune, accès à un travail fait avec les différents services et à l'écoute naturellement des projets. La donne qui a changé, c'est qu'on l'a dit sans
en toute transparence en ce début de mandat, c'est que bien évidemment, on regarderait attentivement à la fois ce qui est de la part du budget de fonctionnement des associations et ce qui est relatif aux projets qui pourraient être proposés par les associations. Et en ce sens, je l'ai précisé à l'OMS, la porte sera naturellement ouverte pour qu'elle puisse nous présenter des projets et pour que nous puissions les accompagner ou pas en fonction des intérêts de chacun. Je ne serai pas plus long sur ça, j'ai voulu être transparent avec vous tous, donc pour moi il n'y a pas de problème. Le local qui sera proposé à l'association sera un local au premier étage normalement et partagé avec l'association de pêche, donc avec qui vous avez déjà l'habitude de travailler sur des projets. Donc moi je me réjouis que le lien et le lien puisse se faire avec les associations là-bas. Et voilà à peu près. Je n'ai pas d'autres mots à dire, si ce n'est qu'il faut qu'on fasse aussi corps pour soutenir les associations qui sont dans des situations préoccupantes aujourd'hui. Je l'ai dit, il y a le pass vaccinal pour les adolescents qui est mis en œuvre dans les prochains jours. Inquiétude sur ça. La baisse des adhérents, et on le voit notamment comment faire émerger de nouveaux citoyens engagés aussi auprès des associations de la commune. Donc là, il y a des choses à construire ensemble. Et nous, on compte aussi à la fois sur l'OMS comme sur toutes les associations de Pont-de-Clé pour qu'on puisse travailler ensemble sur ces sujets-là. Voilà pour être le plus transparent possible sur ce sujet qui n'en est pas un à mes yeux. Merci, M. Giono. Hop, 1, 2. Alors, déjà, vous ne nous ferez pas opposer les associations entre elles. Évidemment, toutes les associations ont fait le job. On a des dizaines de bénévoles, voire des centaines de bénévoles qui font un travail formidable. Et aujourd'hui, soutenir une association ne peut pas être traduit en dénigrer les autres. Donc ça, c'est un premier point sur la déviation, la diversion, je dirais, dans un bout de la réponse. Le deuxième, sur les tonalités des échanges, alors nous on découvre entre guillemets ce qui se passe, pour tout vous dire, à la rentrée avec le forum, voilà. Mais c'est sûr que sans me prononcer, parce que c'est toujours facile entre guillemets sur des rendez-vous où on est en personne à personne, on avait déjà eu un échange similaire dans un conseil précédent sur ce qui avait à l'époque été qualifié de rumeur de pression sur des dirigeants associatifs. Vous nous avez dit, mais non, j'ai jamais dit ça. Bon, voilà, ok, dont acte. C'est toujours compliqué de se prononcer. Moi, tout ce que j'aurais à dire, c'est que quand on dit aux gens, grosso modo, dans 2 mois, vous débarrassez le plancher, forcément, ça peut tendre les choses et ça peut générer des réactions qui ne sont pas toujours de la plus grande courtoisie. Mais j'ai envie de dire que c'est pas la même chose que de dire on prend le temps de réfléchir à un espace parce qu'on a un projet en face, parce que il y a un élément, c'est que vous n'avez pas répondu sur la partie quels projets sont prévus là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas dire à une association on vous met à la porte quelque part de cet endroit-là, mais ne pas dire pour faire quoi à la place quelque part. Et donc ça aussi, ça c'est pas de nature, je dirais, sur la méthode. Puisqu'on a parlé de dialogue social sur les questions du vœu précédent, là en l'occurrence sur la méthode, on n'est pas sur un processus de plusieurs mois, on est sur quelque chose qui avance à marche forcée et qui du coup génère de la tension globalement. Moi ce que du coup là-dessus, ce que je rebondirais, c'est aujourd'hui nous ce qu'on demande, on se fait en relais de ça, c'est que cette décision soit revue et qu'un dialogue soit repris pour trouver des solutions qui permettent de satisfaire tout le monde. Puisque, visiblement, elles ne satisfont pas tout le monde, ces solutions. Donc, objectivement, je pense qu'on a... Si ce qui se passe maintenant devait aller au bout, en disant on est droit dans nos bottes, on continue, on avance, et puis, quelque part, c'est pas le sujet, il y a 37 associations, donc une de plus, une de moins, c'est pas bien grave. Et puis de toute façon, on pourra vous soutenir. Je caricature un peu, mais voilà, c'est comme ça que c'est perçu en tout cas de fait. Objectivement, ça serait y compris pas un bon signal, ou peut-être un bon signal, puisque c'est finalement dire quand il y a une décision qui est prise au sommet, les associations sont tributaires et tant pis pour elles. Donc du coup, en substance, filet droit. Je pense que c'est pas l'objectif, évidemment. Donc moi, ce que j'appelle aujourd'hui, c'est à une reprise des discussions, à une prorogation
de fait du délai et qu'on ne se retrouve pas avec une expulsion au 8 octobre, je crois que c'est ça, donc c'est dans une semaine, hein, globalement, et à ce qu'il y ait une discussion vraiment, parce qu'aujourd'hui, cette solution ne satisfait visiblement pas cette association qui, je l'ai dit, a un rôle majeur sur la commune. Dans n'importe quelle commune, si on expulsait le comité des fêtes, en fait, vous imaginez bien ce qui se passerait. Pour prendre l'analogie que je prenais dans mon premier propos, et qu'on puisse trouver une solution qui permette de ne pas passer de la situation actuelle à un bureau partagé de 7 mètres carrés avec une autre association qui de fait semble intenable pour cette association-là. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Non ? Oui, Julien Dussart. Oui. Pour le moment, j'ai donné la parole. Oui, merci. Derrière une association, il y a des personnes, il y a des humains. Il faut les respecter. C'est important de respecter les bénévoles, parce que ce sont des bénévoles. Ils donnent de leur temps libre pour agir pour leur association, qui apporte un plus-value à la collectivité. Et donc, c'est une bonne chose d'avoir des associations et des bénévoles. Et on les remercie pour leur travail qui apporte à l'activité, surtout dans cette période difficile. Donc, vous avez demandé à l'Office municipal des sports de déplacer dans un nouveau local, donc à la maison des associations. Donc, je pense qu'à leur place, vous avez étudié, vous avez un projet sur leur local. Donc, je pense que vous avez construit quelque chose avant de demander à l'Office municipal des sports de partir. Donc, dans le discours que j'ai pu entendre précédemment, nous n'avons pas entendu quel projet va avoir dans ce local. Donc voilà, c'est la question que nous posons. Donc, quel projet va avoir ces prochains jours ? La parole est à Maxime Nafosi. Il y a vraiment une forme de fantasme autour d'un local de 60 mètres carrés qui est. Je m'excuse, une infime surface par rapport à tous les équipements associatifs et sportifs de la ville. Il y a des projets, parce qu'effectivement, comme vous le voyez pas, mais on est tous au travail depuis un an et demi, et ce n'est pas parce qu'il y a eu la crise sanitaire qu'on a arrêté de travailler. On a rencontré, on est à l'écoute. Il y a des associations qui sont dans des situations beaucoup plus peut-être critiques, sur ces questions d'équipement pour lesquelles on aimerait les accompagner. Il y en a plusieurs, donc il va falloir faire peut-être des choix, mais ça, je vais dire, être élu, c'est aussi faire des choix, c'est pas avoir la main qui tremble lorsqu'on doit prendre des décisions, c'est pas finalement être en capacité de se dire « bon, je vais laisser le travail faire par les autres parce que j'ai pas forcément le courage de le faire à ce moment-là ». Donc il y a des commissions municipales. Monsieur Giono, il y a une commission qui s'appelle les sports et la vie associative. Je n'ai pas à vous donner de conseils, vous êtes chacun fait ce qu'il a envie, mais on débat de ces questions-là. Il n'y a personne de votre groupe qui siège maintenant depuis plusieurs temps sur cette commission. On peut hocher la tête, on pourra regarder c'est écrit. Donc on abordera cette question-là, il y aura des propositions qui seront faites et au moment où on jugera nécessaire de mettre une association dans ce local-là, on le fera. Il y a plusieurs projets qui sont à l'étude et on le fera très rapidement parce que la nature a horreur du vide. Donc on fera ça très rapidement. Voilà, je ne vais pas épiloguer sur le sujet. Il y a une belle maison des associations à faire vivre, je l'ai dit. On compte sur l'OMS, comme on compte sur toutes les associations pour pouvoir faire vivre ce bel équipement. Et moi, je ne doute pas une seule seconde qu'il ne soit pas utilisé et mis à profit pour les autres associations. Donc, je compte sur vous, comme la porte est ouverte, notamment aux différents temps qu'on proposera, à la fois de formation, de création de projets, etc., qui sera impulsé par la municipalité. On compte sur tout le monde, donc on reviendra vers vous pour ce local et vous dire plus précisément la nature de son utilisation, et ça sera certainement au moment de la commission municipale. Merci. Quelques mots pour conclure et je terminerai là-dessus.
Personne ne... Non, ce n'est pas un débat qui s'ouvre comme ça. J'ai donné la parole tout à l'heure. Il y a eu une prise de parole, une demande de prise de parole. Je ne vais pas réouvrir, refermer le conseil, le réouvrir. Personne dans une ville n'a le droit de privatiser des lieux qui relèvent de l'intérêt public, quel qu'il soit. Vous auriez raison de nous accuser, finalement, d'être dans une attitude, d'être dans une... Monsieur Giono, je vous ai écouté avec attention, vous allez aussi m'écouter avec attention. Vous auriez raison s'il n'y avait pas de proposition faite par la municipalité et par l'adjoint en charge, des sports et de la vie associative. L'Office municipal des sports, dans sa définition, c'est une structure associative qui est au service des clubs sportifs, chargée de fédérer les acteurs sportifs, locaux, associatifs, et de promouvoir la pratique physique et sportive auprès de chacun. Ces missions-là sont garanties. Elles sont renforcées parce que nous proposons justement que l'OMS rejoigne un lieu qui est évident, en fait. Hein. C'est la maison des associations et de la vie associative, tout simplement. Les autres associations et les services municipaux, tout simplement, qui sont dans ces lieux, justement pour assurer plus de transversalité et de ne pas avoir des fonctionnements qui sont parallèles, mais d'avoir véritablement des fonctionnements qui soient plus en lien. Et d'ailleurs, la vice-présidente qui était là le jour du Forum des associations a attesté que c'était une proposition qui était plutôt logique. Donc moi, je ne voudrais pas qu'on en fasse un sujet. Et je regrette que, finalement, on le tourne sur un sujet qui relève, finalement, simplement d'un droit acquis, mais qui est bien celui, à l'inverse, qui doit être porté vers un lieu qui abrite aujourd'hui les associations dans leur ensemble et qui est là pour créer la synergie nécessaire, les progrès, etc. Je rappelle que ce lieu, c'est la maison des associations et de l'économie sociale et solidaire. Là, mais peut-être que l'OMS aura des projets sur ces sujets, sur les questions qui relèvent tout simplement de l'économie sociale et solidaire au service tout simplement de l'activité associative en général. En fait, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, les interactions, on les a toujours beaucoup plus lorsque l'on est ensemble, plutôt lorsque l'on vit à côté. Donc le principe, il est simple, il est celui-là, il n'est pas autre chose. Donc je voudrais juste que, et j'invite les oppositions à être un peu dans le réalisme sur les choses quand même, et de bien mesurer, et notamment celles et ceux qui ont été au cœur du projet de construction de la maison des associations et de la vie associative et de l'économie sociale et solidaire, ont bien porté cette vocation. D'ailleurs, aujourd'hui, personne ne remet en cause, même vous, puisque vous y étiez opposé à ce projet, initialement, et notamment dans ces lieux. Et aujourd'hui, qui le remettra en cause ? Qui le remettra en cause, ce lieu ? C'est donc bien le lieu qui doit abriter, tout simplement demain, toute la dynamique d'interaction. Et je pense que le moment est le mieux. Nous sortons de crise Covid. C'est maintenant qu'il y a besoin d'être plus proches encore les uns les autres. Donc voilà ce que je peux dire en tant que maire. Et c'est pour ça que je remercie Maxime Nafosi d'avoir pris ce temps pour travailler, pour échanger. Mais n'en faisons pas une affaire d'État, s'il vous plaît. Il y a juste une logique qu'à un moment donné, les locaux, mais quels qu'ils soient, mais comme les gymnases, comme toute autre chose, ont vocation à être tout simplement attribués en fonction des besoins et des besoins légitimes qui s'expriment et de la politique municipale telle qu'elle est mise en œuvre. Et c'est pour ça que nous le faisons sur les équipements, nous le faisons sur... où là, on essaye tout simplement de faire cohabiter les uns les autres. Et je pense qu'il est aujourd'hui, et Maxime Nafosi a très bien présenté les choses, et je le remercie
pour tout simplement les propos très apaisants qu'il a tenus sur ce sujet, comme les miens d'ailleurs. Il n'y a pas de raison d'être dans une logique d'affrontement. Et je suis convaincu que vous-même, vous avez cette compréhension des choses que une association qui a vocation à assurer finalement le lien entre toutes, il y a quand même une espèce d'illogisme qu'il ne soit pas dans la maison des associations et de la vie et de l'économie sociale et solidaire. La question orale étant posée, le débat a eu lieu. Les demandes de prise de parole ont été tout simplement posées par les uns et les autres. Moi, je vous propose d'en terminer là. Il y aura d'autres temps qui seront posés sur ces sujets. Sur ce, je vous remercie. Il n'y a plus d'autres points à l'ordre du jour. Et je lève donc la séance. Merci à vous.